Bon, ben, nous voici à nouveau dans notre rivière, dans notre torrent. On va continuer un petit peu ce coin. Alors là, je vais tout simplement remettre un peu d'eau, hein. Je vais mélanger mes couleurs que j'ai à ce niveau. Voilà. Pour pouvoir donner du mouvement. Je donne du mouvement. Je donne en fin de compte de la vie à mon sujet. Pour donner de la vie à un sujet, il faut bouger le couteau. Donner le mouvement. Plus vous donnerez le mouvement, plus on aura l'impression que le sujet bouge. Plus vous allez doucement, moins le sujet bouge, bien sûr. Plus il reste inactif. Savoir bouger le couteau, prendre le couteau de loin et ensuite, voilà, le travailler. Travailler le sujet. Bien sûr, ça dépend quoi. Comment est le sujet? Là, par exemple, je vais revenir un peu sur mes herbes. Je vais mélanger un peu mes herbes avec mon eau pour toujours donner cette profondeur, pour donner la profondeur un peu à ma cascade. Là, je vais reprendre un peu de jaune. Et là, directement, je vais aller sur mon sujet de la cascade. Là, j'ai un mouvement qui se mélange avec l'eau. Bien sûr, il ne faut pas trop mélanger les couleurs. Il faut s'arrêter juste à temps. Si on veut mettre trop de couleurs, c'est là qu'il y aura un certain malaise qui se produira dans la toile. Bon, alors notre prochaine étape, ça sera deux personnages qui se trouveront au bord de ce torrent. Ben, je vous dis à la prochaine alors.